Le chasseur de pirates est mort? Oui, de ma main. Comment se fait-il que toi seul puisses trouver ce que tant d'hommes cherchent? Je suis né avec des souvenirs de cet endroit. Des souvenirs issus d'une toute autre époque, je crois. Comme si... j'avais déjà vécu une autre vie. J'en crois pas un mot. Tu vas parler clairement. Pas aujourd'hui. Après toi, capitaine. Le chemin qui nous attend est dangereux. Les indigènes de ces terres vont se battre, Edward. Tu es prêt à les repousser s'il le faut, hein? À les tuer si besoin est?
Ugh!
Rocky Emile! Allez, en route. C'est ça l'observatoire. Tout ça. S'ouvrira pour la première fois depuis 80 000 ans. Par l'enfer, Robert! Tu es devenu fou! Bien au contraire, Edward.
Ces abrutis auraient perdu la tête en voyant ce qu'il y a derrière cette porte. Mais toi, je te soupçonne d'être bien plus coriace qu'eux. Maintenant, ramasse ce coffre et apporte-le ici. Sale et décrépit. Mes souvenirs sont bien différents. Mais après 80 millénaires... Tu mens. C'est impossible. Fais bien attention à toi, capitaine. Je dois dire que cette nouvelle vocation m'inspire. Et cela t'amusera peut-être d'apprendre que j'ai édicté mon propre code de conduite. Ton propre credo, hein? Pour maintenir la paix à mon bord, les jeux d'argent sont proscrits, car ils génèrent plus de conflits que de camaraderie. La désertion durant le combat est interdite. Et j'exige que tous les canons et tous les sabres soient propres et prêts à l'usage à tout instant. Je te comprends. Pour cela, toute infraction est punie de mort. J'irai jamais jusque-là, Robert. Quel endroit incroyable. Splendide, n'est-ce pas? Ouais. Tout droit sorti d'un conte de fées ou d'un poème antique. De nombreux récits parlent de cet endroit. Des histoires devenues rumeurs, puis légendes. Le chemin inéluctable conduisant toute réalité vers la fiction, avant de sombrer dans l'oubli. D'autres fioles de sang. Oui. Ces cubes contiennent le sang d'un peuple très ancien. Une race qui, à son époque, a touché les sommets. Plus je t'écoute, mon ami, et moins je te comprends. Je n'en suis pas surpris. Mais rappelle-toi ceci. Le sang que contient ces fioles n'a plus la moindre valeur pour quiconque. Un jour peut-être il en sera autrement, mais pas à notre époque. Nous y sommes. Dépose-le. C'est quoi ce bruit ? Ah oui, une mesure de sécurité. Attends un instant. Nous y voilà. Mais à quoi sert cet endroit ? C'est une sorte de grande longue-vue comme on utilise les marins. Un appareil qui permet de voir malgré la distance. Mon Dieu, c'est de la magie noire. Non, c'est Monsieur Jack Rackham, quelque part dans ce monde à cet instant précis. C'est un assaut. Ça se passe en ce moment même. On voit la même chose que lui. Oui. J'en sais rien, Jim. Je connais absolument rien à la navigation. C'est pas un travail pour une femme. Faux. J'ai vu des dizaines de femmes ferler des toiles et tourner des cabestans. Et tu m'apprendras à me battre? Avec un grand sabre? Et même à tirer au pistolet? Je m'arrêterai pas là, mais il faut que tu le veuilles et que tu t'appliques. Tu dois pas songer à l'échec si tu veux réussir. Hé, mon gars! C'est à ma femme que tu fais la cour! Allez, Pat! Ou je te découpe! Va cuver ailleurs, Rackham. Et réfléchis deux fois avant de m'appeler mon gars. Oh! Oh! C'est vrai, ça! Mon gars! Quel drôle de gens! Voyons-en un autre. Le gouverneur Woods Rogers. C'est une idée audacieuse, mais je vais devoir y réfléchir attentivement. Il vous suffit d'inviter la Chambre des communes à un témoignage de loyauté. Un serment, un geste, et un petit rituel afin de prélever quelques gouttes de sang au bout du doigt. Rien de plus. Les ministres vont sans doute s'y opposer, mais persuader la Chambre des lords ne devrait pas poser de problème. Ils ont un goût prononcé pour la para et les cérémonies. Tirez-en parti. Dites-leur que c'est un signe de soutien au roi, face à tous ces rebelles jacobites.
Oui, très judicieux. Ah, ces Templiers. L'élément crucial est le sang. Vous devez en prélever un peu à chacun. Nous devrons être prêts lorsque nous trouverons l'observatoire. Entendu. Un outil précieux, n'est-ce pas? De la sorcellerie, voilà ce que c'est. Oh non! Les mécanismes qui animent cet appareil sont tout ce qu'il y a de plus concret. Antique, certes, mais pas plus surnaturel qu'étrange. On deviendra les maîtres des océans. Oh, quelle ambition! Mon code ne prévoit rien en matière de loyauté, Kenway! Tu as joué ton rôle, mais notre alliance prend fin! T'es un homme mort, Robert! Ton Jackdaw a quitté le nid, Edouard? Hein? Voilà la beauté de la démocratie. La multitude l'emporte toujours. Oui, tu pourrais venir avec moi, mais... avec un esprit aussi ardent que le tien, tu risquerais tous de nous réduire en cendres. En revanche, je sais que le roi a mis ta tête à prix de façon fort généreuse. Et vois-tu, cette fortune me tend les bras. As-tu déjà fréquenté les prisons jamaïcaines? Dis-moi...